Salam alaikum, les élèves de la première année BAC. Alors aujourd'hui, on va poursuivre la lecture de la deuxième partie du chapitre 1, La boîte à merveilles. Bien sûr, vous allez voir que le décor a été complètement changé. Alors au lieu de lire sur le téléphone ou sur un écran de PC, le roman, j'ai préféré le roman, comme ça, je vais souligner à chaque fois les phrases qui seront importantes dans l'explication, d'accord? Le roman Mac, ou bien sûr, la boîte à merveilles, la page 7, d'accord? C'est la page 7. Ben Abdullah, l'épicier. C'était la dernière fois. La dernière fois, c'était le point où on a fini notre lecture. Alors, je commence. Abdullah, l'épicier, me raconta des exploits d'un roi magnifique qui vivait dans un pays de lumière. Alors, pour la plupart des phrases qui seront un petit peu dures, et surtout pour les connotations dans le texte. Abdullah l'épicier, كان شخص من جوج الأشخاص اللي عندهم تأثير إيجابي على الحياة ديال سيدي محمد. استنى لكم تسمحوا لي على الصوت ديالي شي شوية مع البرد. J'espère que c'est assez clair pour vous. Alors, Abdullah l'épicier, ou Abdullah le Bqal, qui est le quartier d'Yalon Finti, et Sidi Mohamed, avec les parents d'Yalon, calme nous les qui aoutent les qissas, les grands et les petits. Ou bien sûr, Sidi Mohamed, quand qui t'aime nous bzat le voyage, ou quand les contes ou les récits qu'il racontait à toute personne, on va dire que ça nourrissait en quelque sorte l'imaginaire de l'enfant, quand qui redit le khayal d'Yal Sidi Mohamed. Alors, il lui raconta les exploits d'un roi magnifique qui vivait dans un pays de lumière. L'Ahdoma est le champ lexical. La lumière, Alamina Anwar, de fleurs et de parfums. Wurud, wa, autour. Par-delà les mers des ténèbres. Benwara, Behar, Dolomet. Il a l'artiné, c'est un jargon, c'est un lexique, d'accord? C'est un vocabulaire du merveilleux, du genre merveilleux. Et je désirais faire un pacte avec les puissances invisibles qui obéissaient aux sorcières, afin qu'elles m'emmènent par-delà les mers de ténèbres et par-delà la grande muraille, vivre dans ce pays de lumière, de parfums et de fleurs. Je suis là. Voilà. Et là, la deuxième partie, il parle des puissances invisibles qui obéissaient aux sorcières. Bien sûr, il parle des démons, des shayatin. Bien sûr, la voyante, le premier étage. Je poursuis la lecture. Mon père. Alors, là, il va parler de son père. C'est en quelque sorte sa manière de présenter les personnages. Mon père me parlait du paradis. Mais pour y renaître, il fallait d'abord mourir. Pour y renaître, je vous mets à la phrase, elle dit, il fallait d'abord mourir. À la phrase, men mais, t'as de mourir. Et là, tu as le mot renaître. Voilà. Ou as le mot mourir. Et les mots sont contradictoires dans le sens. Juste le kalimat, l'endomani, on va dire, mtdada. D'accord? Il a deux mots, c'est à noter. Mais si on a deux mots, les endommani dada, il y a deux mots qui ont des sens contradictoires et qui sont séparés dans une seule phrase, tu connais farqin, elle dit c'est une figure de style. بدون شك انتم ما غريباش عليكم دابا هذه الكلمه ديال فيغور دو سيل لان كانت لكم فرصه في السانكيم انك تقراوا البعض منها او كلها في الاولى باك بيان سور غيكونوا presque 26 figures de style dans le programme. La figure, c'est une figure d'opposition, d'il-ta'arud. Wabitali rasmiwa antithèse. Bien sûr, je vous invite sur ma chaîne à chercher la leçon des figures de style. Ou ratatakum, détail de la leçon, surtout elle a les figures d'opposition, hat'ana qsamtum par volet. Je poursuis. Mon père ajoutait que se tuer était un grand péché. Un péché, alors un péché, ou d'un لاحظوا معايا الاب ديالو كيفاش شرح ليه قال لي باش تخلق في الجنه خاصك بعدا تموت في الارض وهنا غنزيدوا نلاحظوا ونلمسوا الحكمه ديال الاب ديالو قال لي ولكن الا شي واحد قتل نفسه هذاك ذنب يمنعك من الدخول الى الجنه
بيان سور هو عارف راسو كيهضر مع وليد صغير عنده 6 سنوات، وبالتالي داك الفرح والسعادة بأنه يدخل الجنة كيف ما وصفها لي الأب يقد يخلي لا سمح الله داك الوليد الصغير يقترف داك الذنب ديال أنه يقتل نفسه بدون علم عنه، يعني بلا ما يعرف أنه يأدي راسه. فخوفا عليه الأب ديالو زاد ليه هاد لافخاز بوغ لي اكسبليكي كو رينيتر او بارادي سي با سولمون موغيغ، يعني موغيغ اي بيان سور ريسبكتي لي ريغل دو لا ريليجيون ا سافوار لي انديكاسيون سولنيل دو كوران اي اوسي de notre prophète Mohammed alayhi salat wa salam. Le mot péché a été répété pour montrer l'importance de ce mot dans la phrase. Péché, péché, c'est une répétition. Et non, la répétition est aléatoire, qui interdisait l'accès à ce royaume. Alors, je n'avais qu'une solution. Souligner avec moi en même temps. Attendre. Attendre. Attendre de devenir un homme. Attendre de mourir pour renaître au bord du fleuve Salsabil, attendre encore une fois, c'est cela exister. Alors, Damien, pour que je dise un seul, ou un intadar, intadar, anni, n'kber, d'accord, intadar, anni, n'mout, mais je ne chlaque pas dans le Salsabil, le Jannah, ou intadar, yehdi ibn Sbali, le Hayat. Alors, je trouve que l'achdoum ayana, le mot attendre a été répété au début de toutes les propositions, ma gouche les phrases, gouche proposition. Parce que l'oulania, hayem saliyab, une virgule, c'est une proposition juxtaposée. Juste après, il y a le mot attendre qui commence encore une fois la proposition. Yak, ou menbet, falkhar, attendre, likia ou dibda, une autre phrase, menbet un point. Alors, le mot attendre, est le mot qui a été répété au début de plusieurs propositions. Hadi, c'est une figure de style d'insistance, dit le ta'kid. Rasmiwa anafor. Hadaha wuldi, ratktib anafor. Alors, juste à côté, je m'excuse. Anafor. D'accord ? Tawadars li ratlqaw bi idnillah kayen sur ma chaîne, les figures d'insistance. Je poursuis la lecture. À cette idée. Alors, à cette idée, je n'éprouvais certainement aucune frayeur. Je me réveillais le matin, je faisais ce qu'on me disait de faire. Le soir, le soleil disparaissait et je revenais m'endormir pour recommencer le lendemain. Alors, on a dit que je n'ai pas peur de cette idée que je vais mourir pour entrer dans la jannah. Et je vis ma vie que je suis en attente. Le soir, je n'ai pas fait ce qu'ils me demandaient de faire. Et le soir, quand le soleil se couche, je rentre dans la dar pour les gens et j'attends le jour qui commence. Yom jadid. On a fait le sommaire de ses activités quotidiennes. C'est ce qu'on appelle le sommaire. Le sommaire, c'est un outil littéraire. Il y a des adabiyas où on peut résumer en quelques lignes. Tu résumes en quelques lignes. Il y a des choses qui sont en train de dire que tu as fait un sommaire. Qui se un sommaire. S-O-M-A-I-R-E. C'est un outil littéraire. Le sommaire littéraire. Je poursuis. Je savais qu'une journée s'ajoutait à une autre. Voilà. Je savais que les jours faisaient des mois, que les mois. Je poursuis la lecture. Alors, une seconde, s'il vous plaît. Restez en ligne, ne coupez pas. Que les mois devenaient des saisons et les saisons l'année. Un petit arrangement. Voilà. Devenaient des saisons et les saisons l'année. J'ai 6 ans. L'année prochaine, j'en aurai 7 et puis 8, 9 et 10. Une gradation. Alors, sur les deux phrases, il y a ce qu'on appelle une gradation. À 10 ans, on est presque un homme. À 10 ans, on parcourt seul tout le quartier, on discute avec les marchands, on sait écrire au moins son nom, on peut consulter une voyante sur son avenir, apprendre des mots magiques, composer des talismans. Alors, Anna, quelques années qui douzent, le fossol, bon, l'ayam, qui sont les jours, les jours qui sont les fossols qui sont les années. هذا من عندي 6 سنين، الأمشي 7 من بعد 8 من بعد 9
ومن بعد 10 غنولي تقريبا راجل، في 10 سنين غنقد نبدا نخرج بوحدي في الحومة، نقد نتكلم مع الباعة والمتجولون أو الباعة ولا التجار، نقد نكتب سميتي اون سيت اكخيغ، على الأقل نكتب سميتي، على الأقل نتعلم نكتب الاسم ديالي، ونقد نبقى أنا 16 شوافة ونتعلم كلمات سحرية ونصايب طلاسم. إلا لاحظتوا هاد لي دو ديرنيير فراز مونتر كومبيان سيدي محمد ايتي انفلونسي نيجاتيفمون باغ لا كنزا لا فويونت. En attendant, j'étais seul au milieu d'un grouillement de têtes rasées, de nez humides, dans un vertige de vociférations de versets sacrés. L'école était à la porte de Darb Nouala, le frère. Le frère, alors, Ada, personnage très important. Le frère, un grand maigre à barbe noire, c'est la description, dont les yeux lançaient constamment des flammes de colère. العيون ديالو كانوا كي يلوحوا شرارات من الغضب. هنا كانت اون هيبربول و بيان سور فيها اوسي اون ميتافور. الوغ ابيتا لا رو جي اف، الوغ تيهضر على درب النواله اللي فيها المسيد اللي كان كيجلس فيه مع التلامذ اللي راسهم قراء وعندهم الانوف ديالهم باردين، وفي واحد يعني في واحد الدوخه ديال القراءه بصوت مرتفع ديال الايات القرانيه. Je connaissais cette rue. Alors, je connaissais cette rue. Je savais qu'au fond d'un boyau noir et humide s'ouvrait une porte basse, d'où s'échappait toute la journée un brouhaha continu de voix de femmes et de pleurs d'enfants. Alors, quelqu'un dit que l'on s'allait s'en faire, on a qu'à la femme zien, l'on a fait un wahad l'bab hadr, l'on a qu'à la femme qui khurj mounou aswat, d'yel boukat atfal wa sourakh nisa. D'accord? La première fois que j'avais entendu ce bruit, j'avais éclaté. Voilà, alors la première fois que j'avais entendu ce bruit, j'avais éclaté en sanglots parce que j'avais reconnu les voix de l'enfer telles que mon père les évoqua un soir. Ben Sidi Mohammed, بعد ما سمع الجحيم وسمع الجنة بالنسبة ليه الجحيم والعياذ بالله أنا يعني فيه عذاب بيان سور وصراخ ديال الناس المؤدبون وكذا، فبالنسبة ليه هذاك المكان اللي كينبعتوا منه داك الأصوات في ديك الحومة درب نوالة زنقة جياف بالضبط، قال لك عرفتم هذوك هما أصوات الجحيم كيف ما وصفهم لي الأب ديالي. ما مير مو كالما جو تومين بخوندغ ان بان. Je te promets une orange et un œuf dur et tu trouves le moyen de braire comme un âne. L'artum ayana, c'est le discours direct. Erwan, le discours direct dans un récit renforce l'impression du réel. Tidkir, le discours direct dans un récit. Mais qu'est-ce que le dialogue fait le récit? Tiyatek, ihsas pour le waqi'iyya akhtar. Ou le temps verbal utilisé ou le présent dénonciation. Nasi barit fahmat dars. تمشي تشوف الدرس ديال لينونسي اونكري و لينونسي كوبي دو لا سيتواسيون دينونسياسيون، راه كاين بيان سور سور ما شان. و بيان سور ما نذكركمش وبلا ما نعاود نقولها لكم، جو فوز انفيت توس ا فوز ابوني، يعني دخلتي تسمع. انا ماشي على ود لو كان، مي بيان سور على ود ان مجموعه من التلاميذ يستافدوا من شرح تفصيلي ديال هاد الدرس. جو فوز انفيت توس ا فوز ابوني اي بيان سور cocher le bouton de réception de la notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos concernant la première année bac et le tronc commun. Je poursuis. Gatli, je t'en vais prendre un bain. Ou bien sûr, tu peux. Alors, ma mère me calma. Je t'en vais prendre un bain. Je te promets une orange et un œuf dur, et tu trouves le moyen de braire comme un âne. Alors, il a le temps verbal utilisé, c'est le présent. Le présent de l'énonciation. Alors, il y a un texte qui est le texte qui est le texte qui est le texte, surtout un texte qui est le texte, qui est le charaf kibir ou hub le texte, et tu trouves le moyen de braire comme un âne. Ou il y a un texte qui est le texte qui est le texte. Toujours octant, je répondis,
Je ne veux pas aller en enfer. Alors, là, c'est très important. C'est une métaphore. Elle dit, c'est une métaphore. Je vais mettre uniquement la lettre M pour le signe, pour vous avertir. Il s'agit d'une métaphore parce que, automatiquement, Sidi Mohamed a comparé le bain mort, d'accord? A comparé le bain mort avec l'enfer. Sans outil de comparaison. Alors, le bain mort, mort, M-O-R-T, bien sûr, mort, M-A-U-R-E. Le bain mort, le Mouriskioun, d'accord? On parle des Arabes andalous qui vivaient dans l'Andalousie et qui avaient en quelque sorte, bon, c'est pas une information sûre, pour ma part, c'était la première personne à inventer le bain mort. Alors, elle leva les yeux au ciel et se tut confondue par tant de niaiseries. Tellement, une niaiserie synonyme aberration. Une aberration. A-B-E-2-R-A-T-I-O-N. Je crois n'avoir jamais mis les pieds dans un bain mort depuis mon enfance. Une vague appréhension et un sentiment de malaise m'ont toujours empêché d'en franchir la porte. À bien réfléchir, je n'aime pas. Attention, le verbe aimer au présent a la forme négative. Je voulais qu'il y ait l'adulte ou l'enfant. Ou si Sidi Mohamed ou Akbir, qu'est-ce qu'il écrit? Le roman autobiographique ou là où est-ce qu'il y a l'adulte? جواب بيان سور بزاف اللي كانوا اللي متبعين معايا لا شين ولا لي فيديو من الاول ديال لو رومون اوتوبيوغرافيك غادي يكونوا جاوبوا هنا سي لو ناراتور ادولت سيدي محمد هو عنده 37 عام هو اللي كيهضر باش عرفتو بلو بريزون دينونسياسيون يعني واخا كبر هو ما عندوش ما تيبغيش يمشي للحمام ديال الزنقه لي بان مور لا بروميسكويتي L'espèce d'impudeur est de laisser aller que les gens se croient obligés d'affecter en de tels lieux mon écarte. Alors, qu'il y a une sensation de dégoût. Qu'Allah hadartou, un insan yitmchi tmak ou yitaraf le hammam d'zanqa, tilbes ghir lbas khfif ou yhtak ma'a nnas li jalsin hda ou hada, بالنسبة لي c'était une source d'une sensation de malaise et de dégoût. Alors déjà, il avait peur, et le sentiment de peur et de solitude, zaid adna la sensation shuur, d'accord, dial le dégoût, hagouti ki trouwa. Même enfant, je sentais surtout ce grouillement de corps humide, dans ce demi-jour inquiétant, une odeur de péché. Une métaphore. Le péché, automatiquement, une odeur de péché, une métaphore. Sentiment très vague, surtout à l'âge où je pouvais encore accompagner ma mère au bain mort, mais qui provoquait en moi un certain trouble. Alors, l'art de Maïa, les deux dernières phrases sont très importantes. Sidi Mohamed nous rappelle son âge, parce que le bain mort, le seul narrateur qui nous rapporte les faits, c'est Sidi Mohamed à l'âge de 6 ans. Et là, tu te craques, mais là, كان باقي في السن اللي يسمح ليه انه يرافق الام ديالو الحمام ديال الزنقه واللي غيكونوا فيه لي فام. Dès notre arrivée, nous grimpâmes sur une vague estrade, vaste estrade, couverte de nattes. Après avoir payé 75 centimes à la caissière, nous commençâmes notre déshabillage dans un tumulte. Tumulte, yani le bruit, le brouhaha et le vacarme. Ado, des synonymes de tumulte. D'abord, avec la vidéo, il dit, il a marqué le chèque, le mot, tu peux te faire un petit peu, 10 secondes, l'or, tu te faire. Tumulte, vacarme. Bruit de voix aiguës, on parle des voix de femmes. Un va-et-vient continu de femmes à moitié habillées, déballant de leurs énormes baluchons des cafetons de Mons et de Mansouria. Alors, le best est qu'ils sont les yélas ou même surtout le métro le mécan de l'Xisel, Mansouria ou la kaftan. Des chemises et des pantalons, des haïk à glands de soie d'une éblouissante blancheur. Toutes ces femmes parlaient fort. العيالات كاملين كيهضروا بالغوات حنا تنعرفوا بان في الحمام كاين عندنا المشكل ديال ليكو تيكون ليكو الصوت كيتردد صدى الصوت الوغ كيجيب لنا الله بان الانسان تيهضر بالغوات جيستيكولا افيك باسيون بوسي دي زورلومون انكسبليكابل اي انجوستيفي الا لاحظتوا معايا هنا واحد القضيه
كانوا كيغوتوا وتيتحركوا بواحد الشغف وكيغوتوا وتيديروا اصوات اللي ما قدش هو يفهمها ويعرف على شنو مبنيه دوك الاصوات، واش الام واش كذا واش كذا. شكون اللي كيهضر معانا هنا؟ سيدي محمد صغير، راه ما يمكنش هنا الكبير. سيدي محمد كبير، هو كبير يعني نفس الشخص. ما تبقاش تلف معايا ولدي ملي كنقول لك انا سيدي محمد كبير ادولت وسيدي محمد انفون، تقول له استاذ راه عندنا دو ناراتور. لا ولدي، راه عندنا لو ميم ناراتور. حنا فرقنا بيناتهم سور لو بلون ليتيرير، كوم كوا عندنا دو ناراتور، هو نيت ملي كان كبير باش كيهضر وهو نيت ملي كان صغير باش كيعاود لنا الاحداث. دونك شنو الفرق بيناتهم؟ سي اون ديفيرونس ديبوك. وهنا جو انفيت ا ريبروندر le visionnage ديال لي فيديو اللي فاتوا على لا بوطا ميرفي اي ليكسبليكاسيون انيسيال. الله يرحم الوالدين. هنا سيدي محمد هو صغير، يعني بحال داك الوليد الصغير اللي ما تيكونش فاهم شنو واقع، تيحاول يفهم بطريقته وبطريقه بفلسفته على حساب ما تعلم في الدنيا، يعني بدوك القله السنوات اللي عاشهم. بحال داك الوليد الصغير اللي دايو باه امه للمدرسه اول نهار، غادي هو تيبكي وكيشوف الاب ديالو بانه كيتعدى عليه والام ديالو كتعدى عليه، هو غادي تيعاود لك القصه وتيقول لك انا داخل لواحد البلاصه والاب والام ديالي اللي كيبغيوني هما تيتخلاو عليا فيها وهما فرحانين. حنا الا جينا نشوفو كحنا ناس كبار غنفهمو بان الاب والام راه فرحانين حيت الابن ديالهم غيخرج من الجهل باش يدخل لعالم العلم والتعلم، وانما هو كطفل على قدر فهمه للحياه كيجيب لي ان الناس اللي كيعيش حداهم واللي كيوفروا ليه لا سيكوريتي راه كيتخلاو عليه. هو غادي تيعاودك في القصه وتيقول لك انا دخلت المدرسه ولقيت بزاف ديال الضحايا بحالي تخلاو عليهم والديهم. هذه النظره ديال الطفل، وانما نظره الاباء ولا الناس الكبار بانهم راه داخلين المدرسه فهو مكان للتعلم و بيان سور ابروندر لو فيفر انصامبل et apprendre de nouvelles choses sur notre monde. Voilà. Je retirai, c'est le verbe retirer, un verbe du premier groupe, conjugué au passé simple. Bien sûr, ce qui le montre, c'est AI. AI, je ne sais pas le futur simple, je dis AI. Je dis que le futur simple, AI, retirer, je dis retirerai. Et retirer, AI. Mora AS, A, AM, AT, R. Mes vêtements, et je restais tout bête, les mains sur le ventre, devant ma mère, lancée dans une explication avec une amie de rencontre. Il y avait bien d'enfants, d'autres enfants, mais ils paraissaient à leur aise, couraient entre les cuisses humides, les mamelles pendantes, les montagnes de baluchons, fiers de montrer leur ventre ballonné et leurs fesses grises. Je poursuis. Kemakate, li kakhtar. ما ترجمش اللي ما كاينش فيهم افاده. الوغ هنا تقريبا سيد محمد توصف لنا الاجساد ديال الناس اللي كاينين وسط الحمام. جو ريبرو جو مي سونتي بلو سول كو جامي. لاحظوا معايا في نيمبورت كيل مومون يا توجور سو سونتيمون دو سوليتود كي سونبار دو سون كور. ديما عندو المشكل ديالاش ديال لا سوليتود. فين اكتشفنا هادشي الاخوان؟ اكتشفنا في دو ديبي ديال لو شابيتر 1 كو جامي. قالك حسيت براسي وحيد اكثر من اي وقت مضى. J'étais de plus en plus persuadé que c'était bel et bien l'enfer. Dans les salles chaudes, l'atmosphère de vapeur, les personnages de cauchemar qui s'y agitaient, la température finirent par m'anéantir. Et là, quand une exagération. Train, ou train, bien sûr, ou la vapeur, ou nas, qui ben au. Mais si ben au, je me disais, ma dbaba, fonce le hammam, qui t'harko. والحراره قال لك شي عوامل اللي دمرتني وخلاتني اني تقريبا نفقد الوعي. هنا حنا نعرفوا بانه هنا راه كيزيد فيه شي شويه. الى اون تران ديكزاجيري سي سكو نابيل اون هايبربول. سي اون هايبربول. Je m'assis dans un coin tremblant de fièvre et de peur. Je me demandais ce que pouvaient bien faire toutes ces femmes qui tournoyaient partout, couraient dans tous les sens, traînant de grands seaux, de voix débordant d'eau bouillante qui m'éclaboussait au passage. قال لك انا جالس في القنت وكنحس بالسخانه لا فيافغ والخوف لو سونتيمون قلت لكم عليه في الاول. وجيت نتسائل مع نفسي اش كيديروا هاد العيالات؟ شنو باغيين يديروا؟ هما تيجريو تيدخلوا للبرمه ويعاودوا يخرجوا وما فاهمش، وجايبين في يديهم سطوله اللي فيهم لو بويونت الماء المغلي، وكل مره تيرشوني هما دايزين.
Ne venait-elle donc pas pour se laver? Il y en avait bien une ou deux qui tiraient sur leurs cheveux, assises, bien sûr, assises, les jambes allongées, protestant d'une voix haute, mais les autres ne semblaient même pas s'apercevoir de leur présence et continuaient leurs éternels voyages avec leurs éternels sauts de bois. Alors, l'Ardoma est le mot éternel. D'accord? Et là, quelques chrétiens ont joué là, c'est extraordinaire, des signes qui se touchent à Rome, ou qui, tu es ébou, elle n'a ce qui gère, ou ils jouent, elle est au même moment. Elles ont négligé tout à fait les deux femmes qui étaient assises avec les jambes allongées en train de tirer sur leurs cheveux. Les éternels voyages. Le safar abadi. Tahbin, le mekan de l'barma, tu y rejoues. Safar abadi. Ou même que je vois qu'on abadi, il y a fait c'est une hyperbole, encore une fois. الاخوان القراءه هذه ماشي يديروها جميع الاساتذه القراءه اللي جندير لك راه تنوضح لك وتنشرح لك بالعربيه زائد كنوريك لي فيغور دو ستيل اللي في درس واحد اخر اولا في مقتطف في امتحان يعطيك جمله منهم وغيسولك علاش من فيغور دو ستيل هادشي اللي كندير يعني كندير لك انا ثلاثه خدمات في خدمه واحده الله يرحم الوالدين ما رد معايا البال وما تنساوش تفعيل الجرس باش الفيديوهات يطلعوا لعند اكبر عدد ممكن من التلاميذ يستافدوا معايا Je vous remercie d'avance. Nkemmelo. Ma mère prise dans le tourbillon, on me dit elle khrajat min dik dawama, émergeait de temps en temps d'une masse de jambes et de bras, me lançait une recommandation ou une injure que je n'arrivais pas à saisir et disparaissait devant moi. Dans un seau vide, il y avait un peigne en corne. Bien sûr, il y avait un peigne en corne. Un gobelet de cuivre bien astiqué, des oranges et des œufs durs. Quelqu'un me dit les jets, les indiens, peut-être que certains ont un mère, je ne dis rien, je ne sais rien des chouïs, ou ma que je ne fais pas ce que je veux dire. Quelqu'un d'ami qui a un stal de Nahawi, ou qui a fait un quiz de Nahas, ou limonade, ou le bâle de Mina, le bâle de Maslok. Je pris timidement une orange, je dis je vais chma, ou un limonade. Je l'ai plus cher que Charta, je l'ai sucé, Hawilt Nomtas, Menham pendant longtemps, le regard vague, ou Anna Nadradiali, Amia, Alama Yamuro, Amami. Je sentais moins l'indécence de mon corps dans cette pénombre. Elle m'a pris Hachman, Anni Anarian, ou Anagas Falkont, Maradin Shlien Naslben. Je le regardais se couvrir de grosses gouttes de sueur, et je finis par oublier les femmes qui s'agitaient, leur son de bois et leur voyage. Inexplicable. Autour de la pièce, ma mère fondit sur moi. Elle me plongea dans un seau d'eau, me couvrit la tête d'une glaise odorante et malgré mes cris et mes larmes me noya sous un flot d'injures et de feu. Une glaise qui est odorante fait rihat quand tu as un ou la hasab, chum al mawad. والتحضيرات اللي كانوا كيصايبوها يدويا بطريقه تقليديه للغسل وفي ليبوك ديال 20 ديال باردون ديال لي زاني 20 دو 20 سيكل وهي كتغوت عليا وكتهضر كدور فيه elle me sortit du seau me jeta dans un coin comme un paquet خرجت من السطل ولعتني في القنت disparu de nouveau dans le tourbillon عاود اختفات في ديك الدوامه ديال المياه ديال الناس. Mon désespoir dura peu, je plongeai la main dans le seau approvisant et je pris un œuf dur, gourmandise, dont j'étais particulièrement friand. Alors qu'il faut que tu les comptes, bien qu'un qui est, je vous le bête le mousselot. Galek, j'ai mis la tête, je n'avais pas encore fini d'en grignoter le jeûne que ma mère réapparut de nouveau. M'aspergea alternativement d'eau bouillante et d'eau glacée, me couvrit d'une serviette et m'emporta à moitié mort. À souligner, s'il vous plaît. Quelqu'un qui a Allah, qu'un akul sfar de l'bête, ou y'a t'ajem alia, ou t'en il oum d'yali. Khwat alia le maschoun, ma taïb zama, ou chouya, t'en il meberd, ou l'ouet ni fota, ou t'mat m'kharjani. على برا وانايا نصف ميت ا موتي مور ما يمكنش يكون نصف ميت هنا كانت اون اكزاجيراسيون
C'est une hyperbole. Encore une fois, hyperbole. Je vais l'écrire là parce que je vois Tariqat qui s'appelle Yalamkat. D'accord? C'est une figure d'amplification. Voilà. Hyperbole. Hyperbole. C'est un H. C'est-à-dire la H. Y-P-E-R-B-O-L-E. Hyperbole. Moubala. Et m'emporta à moitié mort, à l'air frais, sur l'estrade au baluchon. Je l'entendis dire à la caissière, la laftom, je te laisse mon fils, je n'ai pas eu encore une goutte d'eau pour me laver. C'est un de la caissière, il se met à la laftom, à ta salle, il te la chalil, il dit, bah, ma chdich liel, chta dielma. Quand ça, j'ai une hyperbole. Et à moi, habille-toi, tête d'oignon, gatliya, un adar l'indil, tsef tête l'indil, gatliya, le bis, y'a rassoubsla, tête d'oignon, un peu de comédie. Voici une orange pour t'occuper, ouais, y'a limouna, bestchrel, rask. Je me trouvais seul. Les mains croisées sur mon ventre en flammes, plus bête que jamais, au milieu de toutes ces inconnues et de leurs fastueux baluchons. Alors, je vais vous dire, l'Ilebsine, ou bien sûr, la Kanwas, quelque plus bête que jamais, une compa, raison, l'outil, locution conjonctive, plus que. Je m'habillais. Ma mère vint un moment m'entourer étroitement la tête dans une serviette qu'elle me noua sous le menton, me munit de toutes sortes de recommandations et s'engouffra dans les salles chaudes par cette porte noire qui me faisait face et d'où s'échappaient toutes sortes de rumeurs. On me dit alors, l'ijat fauta. J'attendis sur l'estrade jusqu'au soir, car fort ma mère finit par venir me rejoindre, l'air épuisé, se plaignant de violents maux de tête. C'est très normal. Manque d'oxygène peut-être. Ce sont des maux de tête ou ce qu'on appelle parfois une migraine. C'est une migraine. Heureusement pour moi, ces séances de bain étaient assez rares. Ma mère ne voulait point s'embarrasser de l'enfant emporté et maladroit que j'étais. Pendant son absence, j'étais livré à mes timides fantaisies. Je courais pieds nus dans le dard, imitant le pas cadencé des cheveux. Je hennissais fièrement, envoyais des ruades. Parfois, je vidais simplement ma boîte à merveilles. Et là, c'est la première fois où il va évoquer la boîte à merveille, les objets les qu'elle fait. Alors, j'étais livré à mes timides fantaisies. Je hennissais fièrement, envoyais des ruades. Alors parfois je vidais simplement ma boîte à merveille, bah marti glisse ma la boîte à merveille diallo par terre où tu vdais htaseb chnou ma les trésors li ndou. On a quand on dit les trésors, ce sont des objets. On a quand une métaphore qui est valorisante, une métaphore valorisante. Aoul mara tsmani dkartk métaphore valorisante, et hna tkhdmat comme un outil de caractérisation, une leçon li ghandira lahiqan. Et juste après cette vidéo, Inch'Allah, on va dire la leçon de la caractérisation. L'IFIA comme outil, la métaphore. Et là, Karn, donc l'adawat ou la boîte à merveille, ou ma rem samar, ou la sdaif, ou l'albi, galek mes trésors. Ce ne sont pas des trésors, ce sont uniquement des petites choses qui sont de moindre valeur. Bidon qima, ou la kim bnisbeli, kanouma, des trésors. On a d'air mukarana bidon adat. Ou cette comparaison qui est ça très qu'mal donc les objets de qu'est-ce que je comme c'est une métaphore valorisante ou là une métaphore méliorative. Un simple bouton de porcelaine me mettait le sens en extase et là je me le sens d'un le sens tactile le toucher quelqu'un صدفة عادية ديال البديع تنشد في يديا كانت كتخليني نحسي شي احاسيس في الجسم ديالي واحد الانتشاء. Yani, باش نفهمو هنا بأن الوليد صغير في les années 20, le problème que les enfants
de cette époque avait, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de jouets, mais كانوش ألعاب بزاف. الألعاب ديالو كانوا جد قلالين، وبالتالي فكان كل واحد كيحاول يختلق ألعابه براسه، الحوايج اللي هو غيستمتع بهم في الوقت ديالو. سيدي محمد كان كيلقى متعة مع لي زوبجي ديالو اللي كانوا كيتحولوا ليه ويوليو دي تيوليو بارفوا دي كومون ديراج دي روا مانيفيك دي برانس دي بالي دو لوميير. وهادشي كامل غنشوفو دون سيت بارتي هنا، باش كيهضر دون مانيير فالوريزون سور لا بواط ا ميرفي. الوغ سيرو معايا الدانيي باراغراف بوغ نو با passer beaucoup de temps sur une partie qui ne sera pas de grande importance. Dans la boîte à merveilles, il y avait une foule d'objets hétéroclites. Et la boîte à merveilles, que nous jouons avec le chia, l'imagination, qui pour moi seul avait un sens. Les boîtes qui sont là, mais elles, que nous des boules de verre, et les billes, des anneaux de cuivre, un minuscule cadenas sans clé, qu'fait le bidon, miftah. Des clous à tête dorée, msamar beras dehabia, ou des encriers vides, yani, tchadouk les encriers, les qui confirment le dead, khawi. Et bien sûr, des boutons décorés, ou slaif, mzoukhen, ou des boutons sans décor. Hanakan, une figure de style, il se met à l'énumération. À écrire les numérations. Voilà. Je m'excuse, j'écris. Dérangé avec la caméra. Énumération, je suis désolé. Il y en avait en matière transparente, en métal, en nacre. Chaque de ces objets me parlait son langage. C'était là mes seuls amis. Bien sûr, j'avais des relations dans le monde de la légende avec des princes très vaillants et des géants au cœur tendre. Quelqu'un t'a dit à la quête, des princes très vaillants, comment dirais-je, مع أمراء اللي كانوا طيبين بزاف ومع مخلوقات ضخمة اللي عندها قلوب طيبة. Mais ils habitaient les recoins cachés de mon imagination. ولكن كانوا كيعيشوا في واحد القنت خافي ومتخفي في الخيال ديالي. Alors par la suite, quant à mes boules de verre وإما فيما خصوص البي ديالي, mes boutons et mes clous, ils étaient là à chaque instant dans leur boîte rectangulaire, prêt à me porter secours dans mes heures de chagrin. Quelque chose que les gars, les autres, quand ils sont dans la boîte à merveille, ou est-ce qu'ils ont besoin de nous ou qu'ils ont besoin de nous dans le cas où ils ont besoin de chagrin. Mais quand on a le chagrin, il est relatif à sa solitude. Bien sûr, le chapitre est très long. Le chapitre premier est vraiment très long. Il cache plusieurs informations. Les idées principales, vous allez trouver ça sur le Compodium, chapitre 1, la série Compodium, qui, on va, comment dirais-je, qui donne une vision synthétique sur le chapitre numéro 1 de la boîte à merveilles. Sur ce, je vous remercie. J'espère que vous avez pris les notes nécessaires par rapport à cette deuxième lecture. Je vous prie de ne pas oublier de vous abonner et bien sûr un coup de fer au jaras en l'arrière des vidéos ou de partager ou partager ou laisser les comme partager les vidéos parce qu'ils savent d'un nombre كبير من الناس ويوصل لهم تحليل ديالي وطريقه القراءه ديالي و غنقول لكم نتمنى لكم النجاح ان شاء الله وانتظروني في حلقه مقبله باذن الله تتمه الشابتر 1 اللي خدنا بزاف ديال الوقت بالتوفيق إن شاء الله وإلى اللقاء. À bientôt.